Que... Attends, taisez-vous les noirs. Je pense que je vais commencer à jouer dans pas longtemps parce que ça fait un moment que j'ai pas joué et que je me souviens même plus des touches. D'ailleurs, je me souvenais même plus si je jouais avec une manette ou au clavier. Ouais, à ce point-là, ouais. Donc je vais commencer direct en fait. Je laisse la musique ou quoi ? Regardez pas en haut à droite, hein. Parce que ça a absolument aucun rapport avec ce à quoi vous croyez que c'est y a un rapport. N'importe quoi. Allez. On était où? J'en étais où? C'était quand la dernière fois? Attends, je vais laisser ça quand même. Voilà, c'est mieux. C'était quand la dernière fois? Je me souviens même plus quand c'est la dernière fois que j'ai lancé ce putain de jeu. C'est pas important. L'important maintenant, c'est que la partie se lance. Avant-demain. Avant-demain. Je vais mettre la musique. Attends, t'es sérieux le temps de chargement hein? Dans l'usine. Ah! Ah ouais, carrément. Les industries Dexter. C'est là que le laboratoire, il a vachement fait des efforts hein, depuis. Alors, comment ça marche? Ok. Ok. Comment? Ok. Je sais que ça c'est pour. Regarde cette tête, ça c'est pour proximité. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris comment marche le jeu. À peu près. Est-ce que j'attends là ou je continue? On n'est pas pressé, ça va. Ouais. Mais c'est la première fois que ça me fait un temps de chargement aussi long que ça, c'est assez chaud hein. Non, ouais. C'est vrai qu'ils vont pas me reconnaître là. Donc, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon, je me souviens comment marche le jeu.
Je commence à me rappeler comment le jeu se joue, c'est bien, je suis content. Vous allez vous engueuler longtemps ou vous allez venir checker ce qui se passe là? Putain, les débutants. Y'en a qu'un seul qui vient? Je vois pas. C'est quoi déjà? Y'a pas un truc pour regarder à travers les murs ou je sais pas quoi là? Oh, je sais plus. Je me souviens plus de ce jeu. Je me souviens juste du massacre dans le métro. Je me suis gouré de touche. Écoute, hein, ça fait pareil. D'accord, donc c'est X en fait pour. D'accord, ok. Tiens, je vais me prendre celui-là plutôt. C'est X pour attaquer avec une arme de poing. Eh, mais. Ah, voilà, on montre les gros bras. Là, on parle. Et où j'ai failli me faire niquer, mine de rien. Hop. Non, son déguisement, il est moins bien que le mien. On n'est pas pressé, ça. Oh, 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 oh. Bon, je suis un pote, je suis un pote, je suis un pote. J'ai rien à me reprocher, je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin, je suis pas Timothy Olyphant. Comment il a mangé le meuble? Ah, il l'a bien mérité. Je parie qu'il est nazi. Non, je peux pas perdu de vie. Mais il y avait pas un truc pour voir les trajets des ennemis à travers les murs ou je sais pas quoi là? Ou j'ai rêvé ça? C'est peut-être dans un autre jeu alors. Ça consomme pas de ouais. Subtilité, puis toujours. Toujours, tu me connais maintenant, tu me connais. Je vais aller tout au marteau. Oh, le bruit de pigeon. Bruit de pigeon .mp3 encodé en 240. Même pas en 140, en 12. Putain, il a changé de dimension. Le petit pigeon, il a changé de dimension. Ça y est, déjà le jeu il commence à péter un plomb. Je viens juste d'arriver, il commence à péter un plomb le truc. Ah, le soleil! Hitman, c'est un vampire. Hitman, le mec il l'appelle Hitman. C'est comme appeler Link Zelda, tu sais. Comment ça va, Hitman? Ça va très bien? Pourquoi ça gueule? Pourquoi ça gueule comme ça? Elle est où l'utilité? Bonjour, je m'appelle Hitman. Salut, enchanté, moi je m'appelle GTA. Ah bien, tranquille. Ouais, pépère. Posé. Pardon? D'accord, le truc il pète, d'accord, comme ça quoi. Ah, c'est pas là qu'il y a un moment à moitié Ah non, c'était avant qu'il y avait un moment Uncharted. All the single ladies, all the single. Ah, le ce clown. Oh putain. Ouais, ça va faire foutre. Pas le temps. Comment il regarde? Wow. Suspense? Comment ça, suspense? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, suspense? Putain, une mine de proximité, t'es sérieux? Je veux pas une mine de proximité, moi. Je veux la radio, je veux la radio, je veux la boombox. Donne-moi la boombox. Voilà. C'est mieux. C'est grave mieux. Je peux pas piquer les déguisements d'un noir, ça irait encore mieux avec la boombox. Mec? Mec? Ah, d'accord, en fait tu prends pas la boombox, ok. C'est pas grave. Faudrait que ça fasse des notes de piano, tu sais, quand il monte les marches avec la tête. Je vais reprendre le marteau en fait, parce qu'on peut pas taper avec la boombox. Je suis dégoûté. On peut taper avec les mines de proximité, tu crois? Putain, d'accord. Mais c'est. Je savais pas que c'était aussi gros que ça une mine de proximité, moi je crois que c'était plus petit. Bon, je vais quand même prendre la mine. Attends, on en est là pour rigoler, non? On est là pour gaulerie. Je dois faire quoi? Je dois buter un mec? Oui. La question conne! Il l'arrange où en fait? Ah, dans son pénis apparemment. Bon bah écoute. Quand on a de la place, hein, vaut mieux en profiter. Batman? Soit c'est Batman, soit c'est Mimimati. Je préfère que ce soit Batman, très honnêtement. C'est un bras ça par terre? Ah non, c'est un autre truc.
crois qu'il va se manger une mine dans la tête, lui, hein. Non, alors une petite balle. Quoi? Putain, enculé. T'as beaucoup, beaucoup de chance, toi. Toi, moins. Je suis un assassin silencieux, ma gueule. Je crois que même pas tu peux tester, hein. Il me semble pas. Merde, il avait ouvert la porte, mais maintenant je peux plus ouvrir la porte. Ah si, il a une carte d'accès. Bip. Très bien. Excusez-moi. T'es que Luke? Hang on. Too sure. The orders say we gotta stay alert. I know. Just relax. Je me disais, elle va péter ou elle va pas péter. Oh, j'aurais tellement explosé si elle avait pas pété. Je crois que je serais mort. Je serais mort sur le coup, je pense. Attendez. De quoi vous parlez là? J'ai... Pour faire du cuisinage, un réchaud, une cuisinière, une pizza bien dorée, une féministe. Oh, les gars. Je me souviens d'un mariage quand j'étais petit. Je vais raconter un petit peu ma vie là pendant les quelques minutes qui viennent. On avait un mariage donc dans ma famille. J'étais petit, hein, je devais avoir 22 ans. Et y avait un mec qu'on avait engagé pour faire des blagues. Donc c'est un gros mariage de beauf, hein. Et cette planche fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc on avait invité un mec pour faire des blagues à ce mariage, tu vois, c'était un humoriste de merde de campagne à l'ancienne. Et donc, à ma famille proéminemment juive, il balance la blague, quel est le point commun entre un juif et une pizza? Le temps de cuisson. Merde, en fait c'est l'endroit où j'étais arrivé. Et il balance ça comme ça pendant en plein repas, alors tout le monde ferme sa gueule, et il fait... BON! C'était bien, c'était la bonne époque. Mais j'étais trop petit, j'avais pas compris. La minute de Ruru, bah ouais, écoute. Moi j'aime bien raconter ma vie, c'est pour ça que je fais des vidéos. Écoute, je vais repasser par là finalement, hein, parce que finalement... Ah, pardon? Quelqu'un m'a entendu? Je crois pas, non. Ah, il puis m'avoir entendu par ici, peut... Non, mais monte les marches. Attends, je lui envoie une bouteille dans la gueule. Ça va trop le gêner, quoi. Ok, je vais pas lui lancer une bouteille dans la gueule, je vais foutre une balle, ça va être plus simple. Ils commencent tous à me gonfler, c'est con. Terrible. Et je vais prendre l'AK-47. Parce que... Enfin, c'est pas un AK-47, c'est un AK-74, je sais pas. C'est même pas un AK, ça se trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ou une clé anglaise? Je veux ça, moi. Je sens que l'hélico va me péter les gonades. Excuse-moi. Oh! Allez-y, je vous attends. Hahaha, bah toi-même. Attendez, je déverrouille la porte. Il me laisse tranquille quand même relativement souvent, hein, c'est bien. Il est où? Hop. Il manque un seul truc à cette scène. Ce serait un passage où 47 est dans un minecart comme ça. Tu vois? Et il doit esquiver des trucs. Moi ça me ferait kiffer. Je payerais plus pour un DLC que avec ça. Hitman Racing. Hitman Kart. Hitman Camp. Non, ça c'est pas... J'ai pas le droit de dire les trucs comme ça, hein, il me semble. Mais j'ai pas pris de dégâts, pourquoi j'ai fait ça? C'est joli ici. Non, je déconne, c'est merveilleux. Bon allez, on continue, hein. C'est un TPS le jeu, je vous rappelle. Donc je joue à la manette,
Si je tire comme une merde, c'est totalement normal. Donc ne paniquez pas. Vous pouvez vous moquer de moi, y a pas de souci. Je suis là pour ça. C'est le mec qui tire là ? Il est où ? Ah, on voit sa casquette, Mais qu'est-ce qu'ils font tous ? Parfait. On va faire péter la mine là, c'est quoi ? Chaos et destruction. Hitman Kampf. Ouais, je suis pas très fier. Tiens, mange dans ton épaule de pute. Très bien. Je reprends la clé anglaise du coup. Ah oh, putain, mais t'es chiant toi à tirer. Tu veux pas que ça traverse pas ? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah, je le découpe un petit peu. Il est bien en fait ce jeu pour un shooter. Hein. Oulala, là là, par contre je le sens pas le coup de la bonbonne. Explose ! Putain ! Oh le relou ! Ah, le mec il a tiré sur son pote quoi. Aucune décence. Il est mort bizarrement lui. C'est bon ? Voilà, neutre. C'est bon. Grillage en Kevlar, ouais ouais. C'est le grillage russe. C'est pour éviter que le communisme s'écharpe. Ah, il est mieux comme ça en fait. Ça fait opérateur. Opérant. J'ai aucune idée. Rétablir le courant, très bien. D'accord, l'interrupteur a besoin de courant. Ok, je viens de comprendre comment ça marche. Comment ça marche l'électricité ? Mes amis ! Comment ça marche l'électricité ? C'est où l'électricité ? C'est ça l'électricité ? Ah ouais, bon bah. Je suis impressionné. Non j'avoue, je. Putain, ça fait du bruit. Putain mais détendez-vous tous là ! Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon je démarre le générateur et je me casse. Ça fait beaucoup de bruit je trouve hein. Parfait. Opérationniste, sans doute. Ouais. Sans doute. J'ai le bras qui me gratte. Je dis tout est dans le poil. Mais il en a pas de poil, regarde. Il a juste des sourcils en fait. Les seuls poils que Code 47 possède, ce sont ses sourcils. C'est joli ici. C'est con, mais c'est joli. J'aime bien le point de vue à la Siberia aussi, je trouve ça assez... assez pas du tout dans le ton en fait. Il y a quoi ici ? Ok, c'est... Très bien. Lui, je vais lui mettre un coup de truc. Je sais pas quoi, mais. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, tiens, voilà. J'ai pas utilisé une seule fois la corde de piano quand même, hein. Non, non, reviens. Accélère aussi. Non, mais cours. Voilà. C'est un katana ? Putain, c'est mieux, c'est un sniper. Je me souviens de l'époque de Hitman où les armes longues, tu devais les cacher dans des mallettes. Apparemment, les développeurs ils s'en souviennent pas, eux. Voilà. Je vais le laisser là, hein. Oh, remarque, non, je vais le prendre. Prendre avec. Non, mais cours ! Il est con ou quoi ? Bah, traîner, ouais, c'est ça. Ils sont où les zibis ? les zibis. Les zombies, c'est pas R6. Presque. Presque. Il y a un chauve. C'est vrai qu'il ressemble énormément à Resident Evil 6 en fait, dans cet endroit-là. Pourquoi ? Pourquoi il ressemble autant ? C'est Unreal ? C'est pas l'Unreal. Oh, c'est pas l'Unreal en 2006. C'est quoi ? Ah bah voilà, des munitions de sniper. J'ai même une canette de coca. Et je peux rester là tranquille pour sniper. Bon bah voilà.
Ils ont pas envie que je bouge, quoi, non? Y a un silencieux là-dessous? Ouais, je crois qu'il y a un silencieux. Donc lui, je vais lui en mettre une. Voilà, personne s'en rendu compte. Regarde là-bas, toi, là-bas. Merde. Merde. Non, non. Sérieux? Je tire très mal avec la manette, hein. je devrais pas jouer la manette en fait. Heureusement qu'il y a une assistance à... Enfin une aide à la visée, hein, parce que sinon je serais trop dans la merde. Je vais mettre une petite dans la nuque. Putain mais c'est super sensible. Merde. Tire dans l'aine. Ouh. Plié en deux le pauvre. Neutre, merci. Tiens, lui là-bas il va s'en manger une. Ah oh, j'aurais trop eu la haine. Tu vois rien, ta douchebag, Mac douche. Pile dans ta gueule. Oh, toi, t'as vu, toi. Oh, c'est ton meilleur pote. C'était ton amoureux, peut-être. Vas-y, devant tes potes. Oh, j'adore ce métier. Putain. Oh, lui mérite, lui. C'est un ancien nazi. Putain, c'est les frères jumeaux! Merde, putain, mais je tire trop mal! Ah oui, tire une balle dans le pied, voir si le mec meurt. Attends, bouge pas! Je vais vérifier les. Ah non, il est pas mort, hein! Tiens, un ange. Ils sont beaucoup là, quand même. Dans les couilles. Dans le ventre. Putain, mais. T'es en Kevlar, toi, quoi! Merde, t'es à côté. T'es plus de munitions, chier! Je vais me cacher avec mon cadavre. Me cacher? Ah oui, je peux me cacher, dis donc. Me dis pas qu'il voit pas que je suis là quand même. Oh putain, attends, je vais attendre qu'il vienne. Oh putain, on va trop rire. Arrête. Regarde. S'il te plaît, ouvre, s'il te plaît, réfute mes allégations et ouvrez! Mais ouvrez la cage au Hitman! Bon. Merde, je suis sorti un peu trop tôt. Ouais, je suis sorti un petit peu trop tôt. Oh putain. Ça tire de très loin là. Pouah, ils sont tous là les mecs. Si je fais ça, ça fait quoi? Merde, d'accord. Top. La précision du truc. Regarde, je fais des headshots d'ici. Regarde. Mais elles sont beaucoup trop précises les armes! Enfin, je sais, on n'est pas. Enfin. Putain. C'est top! Et même les mecs, ils me tirent de dessus super loin, quoi! Ouais, fuis, ouais! Oh, une petite balle dans le dos! Oh, elle a fait mal! Vas-y, Starsky! Aide ton pote, Starsky! Il y avait un mec là-bas, là. Putain, il est super loin, lui! Je sais pas si vous pouvez le voir au stream. J'arrive même pas à foutre. Non, la balle est ineffective. À cette longueur là, c'est vrai que ça aurait été bizarre. Ça aurait simplifié beaucoup de speedrun, je pense, si la balle et les balles étaient aussi précises que ça. Mais quand même. Putain la vache, ils sont tous. Mais t'es en bois ou quoi toi? Mais. Voilà. Putain. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Oh, cul. Mais lui aussi, il est en bois, là. Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont tous faits en céramique, les soldats, ou quoi? C'est un nouveau truc? I am Groot. Peut-être, certes. J'ai échangé clé anglaise contre bidon d'essence. Toujours. Même pas besoin de me demander. Si faut faire cramer les trucs, je suis pour. Vas-y, viens. Je suis plus là. Il va venir en plus, ce con. Bah oui, mais écoute. Forcément, maîtriser. Bah oui, je te tiens à maîtriser le coup. Oui, certes. Il faut juste savoir que ça me plaît pas de faire ça, hein. Sérieux? Oh, les forces spéciales!
cacher. Ah oui, ah oui, tu les caches comme ça quoi. Ok. Je vais tous les cacher entre guillemets ici. Ok, ok. Écoute, ça va, hein, c'est bien. Moi ça me va. Hein. On les voit en bas ou J'ai l'impression qu'on les voit en bas, hein. Non. Ils disparaissent dans le néant. Bon, je vais pas tous les mettre en bas parce que ça me gonfle. Je vais plutôt aller chercher les civils. Je peux monter là? Oh oui. Non? Quoi? Renfort arrivé, ça y est, ça commence là. Headshot. Oh, le mec il sort trop avec un flingue, il se prend pour Hulk Hogan. Ah, ça commence à devenir tendu en fait niveau vie. Il est mort à cloche-pied. Bon, ça va être tendu. Ça va être tendu, je crois qu'il faut que je me barre. Je me fous un déguisement, regarde. Ils trouveront jamais que c'est moi. Mais on peut pas monter là? C'est nul. Et là? Il est pas en alerte l'ennemi, il est con l'ennemi. En chasse. Ah là, c'est bon, il est qu'en chasse, il est pas. Oh putain. Mais c'est bon, il sait pas que je suis là. Bon là, peut-être que oui. Il a un peu mangé, mais. Bon, ça fait combien de mecs que je vous désingue là? 40? 30? Allez, je suis sympa, 20. Ah, ils sont juste prudents là, tout va bien. Voilà. Tu peux passer par la fenêtre. Mais c'est bizarre, attends. Je prends le point de contrôle, hein, au cas où. Au cas où je fais le con. Attends. Là, il faut peut-être que je monte quelque part ailleurs. Ah, voilà, faut que je me hisse d'abord. Et ensuite que je monte là. Attends, je vais éviter qu'il parle trop, lui. Je vais foutre un coup de bidon d'essence dans la gueule. Je suis gouré de touche, ça m'a fait rire. Je peux pas aller. Non, ok. Non, 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 n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Putain, n'ayez pas peur, là. Quelqu'un qui fait caca? Non, c'est bon. Tiens, premier soin. C'est parfait, ça. Je vais me déguiser en lui. Ils sont suspicieux, quand même. Mais c'est bon, si j'ai un bidon d'essence, ils croiront que c'est pas. Je suis pas méchant. Personne avec un bidon d'essence peut être méchant. Avec un couteau de boucher, je dis pas. Ça fait du bien quand même, hein. Je sais pas si je dois me sortir mal que j'ai un petit peu une érection à chaque fois. Ouvrir. Si vous voyez un mec mort dans les toilettes, c'est pas moi. Corps découvert? Mais non. Chut, attends. Ils sont où les autres? Putain, mais il y en a beaucoup en fait des mecs ici. Ça peut peut-être venir du fait que c'est une entreprise super importante. C'est un massacre. D'accord, montre. Ah ouais, en effet, ouais. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est un sacré con, hein. Attends, tu veux pas te tourner là-bas, s'il te plaît? Tourne-toi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vous avez raison. Là. Faut que je trouve le costume spécial, là, le... Le pop, 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 watching niggas drop. Ouais, attends, je cherche le costume, je cherche. Celui-là, je suis au courant. Hein. Clé anglaise, alarme de voiture. Alarme de voiture. Il y a combien d'alarmes de voiture sur cette alarme de voiture? Énormément. Oh... Je vais partir avec ça, moi, hein. Pas juste se barrer avec. Ouais, soyez prudent. Je vais faire un piège. Mip, mip. Personne ne viendra. Ok. Top. Super mon plan. Le plan super bien rodé quoi. Garde en alerte. Et ta sœur. Elle doit être dans le coin. Il doit être dans le coin le déguisement. C'est quoi ça? Je vais tout saboter. Je vais tout leur niquer là. De l'autre côté de cette caisse. Écoute, c'est comme ça fait 30 secondes que tu me l'as dit. Je sais pas trop de quoi tu parles. Donc, waouh, nègre. C'est quoi qu'il y a par terre? Il y a des flingues par terre.
Alors que j'ai rien fait. Parce que c'est pas moi. Ouais, ouais. Montrez-vous, hein. Y'a un mec qui l'a tué quelqu'un! Un mec chauve, il paraît. Vas-y, rentre dans cette petite pièce là, je crois que ça a été saboté. Ouais, ah ouais. Non, mais j'y vais, hein, mais. J'y vais, mais quand même, c'est chaud, quoi. Pouh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu as essayé de se la jouer, quoi. Je l'ai pas laissé en vie, quand même. Merde, il est où le. En gros, de l'autre côté de cette caisse. De quoi tu parles? De l'autre côté de cette caisse. Tu parlais de celle-là? Non, je sais pas, je sais plus de. Enfin, je sais pas où t'étais quand tu as parlé, quand tu as dit ça en fait. Attends, il reste encore plein de mecs à buter. C'est un chien? Oh non, pas les chiens, je tue pas les chiens moi. J'aime bien comment ils te parlent, faudrait pouvoir leur répondre, tu vois. Je marche dans vos cadavres, hein, mais c'est vraiment pas une provocation. Hein. Par contre, toi, je vais peut-être te mettre une petite balle. C'est pas sûr encore. Si, peut-être t'en mettre une. Pas moi, c'est pas moi. J'ai vu personne. Putain. Vas-y, viens. Je te mets ta race. D'une. Bleu, bleu. 47. Sérieux, toi? Ah, les débutants. Un là-bas. J'ai quand même réussi à le louper. Il y avait un là, non? Reste là. Voilà, tu bouges pas. Non, t'as pas de gunshot. J'ai réussi à louper toutes les balles. T'as pas de gunshot. Voilà, tu restes là. Restez juste prudent. Putain, mais je tire comme une merde, c'est incroyable. J'ai eu avec les dernières balles du chargeur, mais c'est un coup de bol. Tiens, tu me donnes ton costard, toi? C'est quoi? Un portable? Je peux pas tuer quelqu'un avec un portable? C'est quoi ce costard? Oh, c'est joli. Non, c'est moche, mais... Putain, il est où déjà le déguisement? Dans l'essence. Faut que tu reviennes au pont. Expliquez-moi précisément où est le déguisement, parce que ça va être compliqué si chacun vous me dites une indication différente et je suis plus du tout au bon endroit. Donc va falloir vous synchroniser. Tiens, il y a quoi ici? Une carte d'accès, je prends. Mais le pont quoi? Le pont quoi? D'Avignon? Clé anglaise. Peut-être prendre des mines de proximité plutôt. On dirait qu'il a sa petite lunchbox. Point de contrôle. Voilà, parfait. Là où t'as mis les cadavres, tu vas à gauche. D'accord, plus loin donc. Ok. J'ai compris, hein, mais je mets juste ça là. Attention. Oh, ça devrait aller. Si on entend un boom, c'est normal. C'est pas vers là, là? Ah. Tiens. Il y a eu un résultat. Oh, une barre de fer. Ça, par contre, j'ai mis la barre de fer à tout faire. Par contre, j'adore les chiens, mais Oh putain, il est mignon. Vas-y, non, je le garde. Ah, les chiens. Bon, t'as pas l'air super, super sympa, mais Je te tolère. Tu m'attaques pas, par contre, hein. Tu fais pas ta pute, hein. Oh. C'est bien ici. C'est celui-là, hein. Yeah. Le voilà. Avec la barre de fer, en plus, ça donne un super effet.
Charlie Chipmunk. Ah, voilà. Je pense que pour une fois, on peut le prendre au sérieux, code 47. Hop. 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 Non, mais monte. La gueule que ça lui fait, quoi. Le pauvre gars. Oh putain. Charlie l'écureuil, mais qu'est-ce que tu fais ici? Chut. Je suis ici pour manger des noisettes et étrangler des enculés. Explosif à distance? Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal explosif à distance, mais je crois que je vais rester avec le old school de la barre de fer. Je crois que c'est plus mon style, tu vois. Prudent, tu m'étonnes. Non mais je vais rester comme ça pour toujours. J'espère qu'il va les garder pendant les cinématiques. Il y a quelqu'un en dessous? Ça devrait aller. Il y a totalement quelqu'un en dessous. Totalement. Comment ça démasquer? Comment ça démasquer? Comment est-ce que tu veux me démasquer comme ça? Je ne comprends pas. Mine de proximité. Oui, très bien. Alors je dis oui. Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Vas-y, ouvre la porte. Ce truc va arriver par une autre porte. Ouvre la porte. Bon, enfin t'es con ou... Parle pas la même langue peut-être? Oh putain, il va ouvrir la porte. Y'a pas à chier, ça me fait toujours rire. Ils vont venir. Chut. Oh putain. Le bruit magique. Viens là. Oh putain, c'est bon. I'm blaming you for that kill. No fucking way. Pink. Magique, c'est beau. Leave war a chance. Ah, c'est bon, c'est un civil. Attends. Non, t'en vas pas. Voilà. Voilà. Là, on discute. Attends, il en reste un. Non mais je laisse personne vivant hein. Attends, il est où? Je vais le chercher. Mon Hitman ne court qu'une fois sur deux. Ça vient encore de mon joystick un peu dépressif. Faudrait que je me chope une nouvelle manette en fait. Comme ça je pourrais jouer à Dark Souls. Oh putain, c'est une petite grosse. Mademoiselle. Home run. Bitch. Ta-na-na-na-na-na. Putain, il a un piment devant en plus. Oh, je vais garder la barre de fer ensanglantée, je trouve ça plus masculin. Voilà, c'est bon, on est bien là. Putain, ce déguisement, mon gars, ce déguisement. Attends, c'était Justin Bieber? Ah non, c'était une nana. Je sais pas pourquoi. S'il te plaît, garde ce déguisement pendant les cinématiques. Je t'en supplie. C'est quoi? Il y a des mines. Des oliviers. T'as compris? Pourquoi? Je suis sûr que c'est super dangereux ce que je fais. Mais j'aime bien le danger.
Sauf qu'ils ont 13 fois la même mine. C'est pas grave, hein. Ah, c'est... Ah allez, allez, prends une cinématique. J'espère qu'il y aura une cinématique. Oh putain. Oh putain. Alors, bon allez, je suis quand même dans les négatifs, c'est pas mal. Impasse. On s'en fout, je veux voir les victimes civiles. Zéro. Super, et la vieille Siri. Zéro, toujours. Par contre, à la fin, non, c'est après. Le site de l'usine, ça j'ai eu pas mal. 11, voilà, 11 civils, 52 non désignés, c'est pas mal. Deux neutralisations, ah mais je les ai finis après, donc ça compte pas. Donc ça va, je suis pas dans le négatif. Enfin, pour moi, je suis pas dans le négatif en tout cas. Je vais boire un peu d'eau. Mr. Travis, it had better be a goddamn emergency, you know this is my... Be honored, Mr. T. God bless you. Grosse pute. La fille était chez les Saints, quoi. C'est nul, hein, par contre. Ah. Let's get it together, bitches. That was the man. Tu vois bien que les motion capture ont été faits par des mecs et le design fait quand même... c'est quand même assez ridicule, hein. On le notera. You are now entering the Dexter Industries research facility, where the top minds et encore le truc. Et encore le déguisement. Je t'en supplie, et encore le déguisement. Where the magic happens. Putain de gros jeu de merde. Zone hostile. C'est moi qui vais commencer à être hostile là. Putain, j'avais un déguisement trop bien et vous, putain, aucun humour, aucun humour. Vous avez pas le droit de vous amuser. D'accord. Heureusement qu'on trouve des moyens. Et évidemment, on peut pas les activer ces mines-là. Attends, je vais leur mettre des caisses. Ils regardent tous le match en plus. Je suis en train d'interroger un mec. Ah oui. Qu'est-ce que... One way mirror... Ah oui, ils me verront pas, je suis con. Forcément. Non, je vais me les faire, hein, je vais me les faire, y a pas moyen. Arme visible, je crois pas. Bim. 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 Voilà. S'il croyait qu'il allait s'en sortir... Comment on monte? Comment je peux monter? D'accord, tu peux pas. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est une vitre. Et j'avais pas vu que c'était un miroir sans teint, du coup. Ce qui a mené à confusion. Whip. Mais quand Hatred va sortir, parce que je pense que je vais me le choper, je ferai des streams dessus, hein, rien que pour le délire. Par contre, je vais prendre son déguisement à lui parce qu'il est super. On voit pas que je suis chauve. On va voler des dossiers volés. Ce qui implique de voler un vol. J'hésite, gros redneck ou hazmat? Non, je vais rester en hazmat, je pense. Il y a un petit côté Breaking Bad. Je trouve que c'est assez acceptable. Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Putain, mais... Putain, je dois faire le tour encore, mais t'es sérieux? Oh, le gros chiant. Le gros chiant, quoi. Non mais Hatred, c'est l'enfance de Hitman avant qu'il soit cancéreux. C'est pas la peine de regarder autour, hein. Y a plus personne dans un rayon de 500 km. Ah, c'est les portes à côté, ça, en fait. J'avais pas compris. Même si le jeu est bon, ils diront pas qu'il est bon, hein, t'inquiète pas.
ils se focaliseront sur le thème du jeu. It's time to cook, Jesse. I'm the one who fucks. Pardon? Ah oui, ils font des tests. Ils testent des mines dans les trucs de carton. Ah toi, c'est c'est marrant. Elle marche bien finalement, hein. Putain, il ressemble à. Pété. Oh non, le petit cochon. Pas des cochons. C'est ouf. Bon, je suis pas en train d'éviter la baston. Hein. Je suis en train de chercher un autre moyen de, enfin un autre moyen d'appréhender le massacre, si tu veux. Un couteau pliant, par exemple. Ça, je dis oui, parce que il y a un petit côté années 70, tu vois, un petit côté Grease que j'aime beaucoup. Il est derrière des vitres blindées, donc ça sert à rien de tirer dessus d'ici, ça n'aura absolument aucune incidence. Par contre, je pense que je vais attaquer le problème d'un autre angle. Qu'on dise pas que ça rend con, hein, les jeux comme ça, parce que c'est limite un puzzle game. Je considère myself pretty mellow guy, but that Dr. Green, I could just strangle that piece of shit. Yeah, you and me both. You and me both. Vous avez fini de parler? Fini de parler. Viens pas vers ici, va vers l'autre côté s'il te plaît. Non, non, pas par là, pas par. Non, d'ici je vais pas pouvoir non plus. Ah, c'est les deux connards, d'accord, ok, c'est les deux connards qui reconnaissent que j'ai un déguisement qui me va pas. Écoute, je vais passer derrière lui. Excusez-moi, hein, c'est... je suis avec vous, je travaille ici. Non, je ne crois pas que tu travailles ici. Nous avons une politique draconienne sur les gens chauves. Excusez-moi. Je cherche les toilettes. Putain, dans les couilles, tiens. C'est pas moi, c'est. Bon, c'est parti. J'ai loupé absolument toutes les balles. Non, sauf une. Il me faut le fusil d'assaut là. Soit fait pas de dégâts, soit tire pas droit. Hein. Ouais, tirez sur eux aussi. Déjà, d'où tu me tires dessus, toi? Je pense que j'ai attaqué le problème d'une bonne façon, étant donné que... Putain, la vache, je suis en colère, quand même. Faut pas qu'ils me voient. Parce que sur les échelles, tu es... Personne t'entendra crier. Et eux, ils sont... Les mecs qui sont extérieurs à la baston qui est en dessous, quoi. Ah non, rien entendu. Et vous avez rien vu à travers le grillage en bas? Quel grillage? Je connais pas. Non, non. Je crois pas. Voilà. Merci. Je crois qu'il a fui, le mec. Non, mais meurs! Je peux pas te désaper pendant que tu meurs. Merci. Je vais prendre ton flingue bruyant. Prends ton déguisement. Il est un peu plus badass que le mien. Ça y est, il m'a pas entendu, lui. Hop, t'es mort. Il reste des gens, je vais les finir quand même. Par simple. Mais attends, mais il m'a pas vu lui. Il a pas vu, il a rien entendu. Il est. Les mecs, ils ont juste un cercle autour d'eux, quoi. Mais il faut pas lire tout ce qui a rapport au journalisme vidéoludique. Ça n'a absolument aucune implication. Ça sert absolument à rien. Toi, t'es mort. Hop. Si tu veux des avis pertinents. À propos de jeux vidéo, tu viens à la Megaforge, tu vas sur la page Facebook, tu poses une question. Tu nous demandes à nous. Nous, on sait ce que c'est les jeux vidéo. Le mec qui va donner des conseils, c'est le même qui est en train de tuer les innocents là maintenant en fait. Libérez les cochons de test. Oh 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 oh.
Mais c'est les cochons qui explosent ou je comprends pas. Wow. Aïe 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 aïe. Ils ont une Wii horizontale. Louis qui marche que sur l'axe Z. Putain mais ils sont tous en bois j'ai l'impression les gars. Crevé toi ? Ah bah c'était la cible. T'imagines les rapports de code 47 ? Vous avez éliminé la cible ? Laquelle ? Bah la cible principale. C'est lequel ? Celui-là, celui qui avait pas de jambes ou celui qui était habillé en vert ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh oh, il y a un mec là. J'ai entendu un mec là. Excusez-moi, je pouvais pas recharger. Attends, j'ai pas fini. Je reviens. J'ai pas fini ce que j'ai commencé. Nouvelle vision de la désos, tu m'étonnes. Ça te raccourcirait le boulot, toi, tu serais tranquille. Suis les conseils de tonton, tonton 47. Tu prends quelques kilos d'explosifs et tu leur fous dans le cul. Attends, reviens toi là. Je vais pas te faire mal. Non, franchement, t'as rien sorti. Arrête de te plaindre, t'as rien sorti, putain, menteur. Donc, ils sont tous là, ceux qui restent. Je marche juste là pour récupérer les munitions. Là. Oh, il y a un petit bruit de cochon. Le désossage. Le désossage à l'explosif, t'es sûr? Ça me paraît fallacieux ce que tu me dis. Excusez-moi. Oui, merci. Oh, oui, le tournevis. Mais au pire, tu sais, tu pourrais courir, hein. Oh putain. Oh putain. J'ai failli me faire enculer là. Et pas comme j'aime. C'est quoi? Putain, je croyais que c'était un exosquelette. Non, je crois pas que le mec il serait capable de faire ça avec 4 balles dans le corps, honnêtement. Hein. Désactiver la sécurité. Ouais, au cas où ils arrivent. Peut-être qu'ils ont une vraie sécurité. Mais il a une balle dans la gorge! Il a une balle dans la gorge! Mais le mec il se bat avec une balle dans la gorge! Le gros patron, quoi! Pardon? C'est quoi le déguisement? Salut mon gars. Décède s'il te plaît. Décède. Voilà. Il est devenu tout mou. Comme moi. Hop, voilà. Tiens, il en reste un là-bas. Pauvre gars, il doit trop sentir seul. Les mecs ? Les gars ? Tu dis que quoi ? Tu méritais de mourir. Tes parents t'ont jamais voulu. Alors. Ouais, bah ça va. On est bien. Je vais faire quoi maintenant ? Je dois partir ? Je crois que j'ai fini de toute manière. Hein. Ou de toute manière, c'est pas comme si j'avais d'autres gens à tuer, étant donné que j'ai buté tout le monde. Bon, bah on va y aller. Hop. On prend l'échelle. On fait attention de pas se tordre la cheville. Ce serait con de se faire mal. Les enfants, vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui. La sécurité. Chut. Ça fait des bruits comme ça, les cochons, en vrai ? Ils sont bizarres les cochons ici, ils sont pas en tranche et tout plat comme chez nous. Y'a pas un bon déguisement de bouchiste là?
Le bouchiste, c'est le boucher, mais tu vois, de haut niveau, quoi. Steven got a security clearance up there. Yeah, he's allowed into the silo now. Huh. Merci. Really? Oh non, ces informations. Il va mourir, il aurait même pas compris ce qui lui arrive l'autre. Et eux, ils sont trop loin. Ok. Oh non, mais qu'est-ce que c'est, il y a un mec qui m'a dit. Non, me tue pas. Dead, motherfucker. Les autres, ils vont courir, j'imagine. Bah non. Vous avez aucun instinct de préservation, les mecs, hein. Putain, t'as du bol. Tiens, je vais te laisser en vie parce que t'as beaucoup de chance. Par contre, toi. Tu cours pas non plus. Putain! Ça, c'est le bacon, ça. Ah, te revoilà, te revoilà! Pas de chance. Putain, décède! C'est un peu la guerre mondiale, mais franchement, on s'en sort. Tire pas avec une main, c'est mal poli. T'aurais dû le laisser en vie. Je serais un très mauvais tueur en série si je le faisais. Hein. Enfin, un tueur de masse, pardon. Je suis un tueur en série, je suis un tueur de masse. La différence entre le tueur en série et le tueur de masse, c'est le fric. La balle dans le cul. Le tueur en série, il a des moyens, il a limite, il a même une idéologie, tu vois, des fantasmes. Le tueur de masse, lui, c'est juste le mec qui a pété les plombs, tu vois. STG 58 élite. Attends, un flingue avec élite dedans, forcément que je veux. Y a un mec qui va arriver là. C'est parfait. Après, il serait devenu The Punisher. J'ai vu tous mes collègues mourir devant mes yeux. Il a même tué la machine à café. Depuis ce jour, je suis devenu un symbole. Pas une vengeance, une punition. Non mais attends, ça c'est une gonzesse. Alors je vais laisser la gonzesse. Oh, c'est mon anniversaire. Hitman, tu sais, code 47 avec les yeux, tu sais, qui commence. Wow! C'est du poulet? Putain, ça me donne faim ce jeu à moitié là. Une gonzesse à poil, de la bière, du poulet. Je vais laisser la gonzesse en vie, hein, que je vous dis maintenant. Fuis! Fuis, Carla! Non mais fuis, Carla! Carla! Bon. Écoute, bah oui, bah bon. Non mais elle est en vie, c'est bon. Attends, de la bière, du poulet, une nana à poil. On dirait un samedi soir chez moi. Excuse-moi! Oui, non, je suis bourré de touche. Aïe. Non, c'est moi qui te mets des pains. Merci. Excuse-moi. Voilà. Oh, t'as sautillé un petit peu. Montre-toi, toi. Montre-toi. T'es pas né de la dernière jour, hein. Voilà. T'es pas né de la dernière brouette, comme on dit, hein. Il reste qui, là? Il reste un bolos ici. Excuse-moi. T'as un super déguisement, toi. Reviens. Tiens. Oh la claque. Oh la claque de papa, quoi. Oh, il est trop beau comme ça. Oui. Pas d'autre déguisement gaulerie ici là. Ce sera sur respiration artificielle pendant quelques temps. Non, attends, c'est juste pris une petite claque, un petit coup de coude dans la glotte. Ça a jamais tué personne, hein. Putain. Tournevis contre livre, j'ai lu tournevis contre lucha libre. J'ai failli sauter au plafond en fait. Littéralement. Non mais pas celui-là, attends, on dirait que t'as un slip sur la tête. Mais celui avec le t-shirt. Voilà. Là t'as juste un petit bout de pénis. Hop, voilà. Comme les matchs. Les matchs de pénis. Tiens, preuve, voilà, c'est ça qu'il me faut. Ramasse la preuve. Mais ramasse la preuve, putain, sataniste. Je vais garder le livre parce que ça fait un petit peu. Tu sais le révérend dans Call of Wallace.
Il avait un livre comme ça, tu pouvais avoir un flingue dans une main et un livre dans l'autre. Et il tirait, tu pouvais tuer des bandits en lisant des psaumes du coup. C'était trop classe, je trouvais ça vraiment trop trop classe. Hop. C'est un petit coup de Nikita. Coup d'être prudent. J'imagine qu'il n'y aura personne. Ah, et là on rigole. Alors eux n'ont absolument rien entendu ce qu'il y a eu autour quoi. Bon, bon, des coups de feu et tout. Non, ils ont rien entendu les mecs. Rien du tout. Ah, je rentre ça. Hop. Non, je vais tuer les gens avec mon livre. Je suis un pote. Je suis invité. Qui c'est qui vous a invité? Greg? Non, Antoine. Personne ne me verra ici. Personne ne le verra lui. Pourquoi suspicieux? Oh putain merde. Non. Non, non, il déconne. Merde. J'ai entendu des bruits de rechargement ici. Écoute, on va faire le ménage. Comme ça on se rassure. Salut! Pleure pas, un peu de panache! Un peu de. Bon écoute, je te laisse tranquille parce que. Par contre, t'as pas pleuré toi. Allez, fuis, c'est bon. T'es qui toi? T'es méchant ou t'es gentil? Attends, reviens! Tiens, mon. Comment il a fait manger le livre? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Il lui a fait manger, il lui a fait avaler un bout du livre. Oh, j'aurais dû activer la chambre d'explosion. Bon, c'est pas grave. J'espère que personne aura la même idée que moi. Mais ils font quoi? Ils font des robots ici? Le mec a rien, qui a absolument rien bidé. Ah ouais, c'est comme iRobot. Ah non, je connais. Avec Morgan Freeman. Attends. Oh, c'est joli. Ça, je vais en reprendre un autre. Corps découvert. Impossible. Viens. Ah, mais il triche, il a des super pouvoirs aussi, c'est Malicia. Mange ta Bible. Y a des gens au-dessus ou en dessous là? Au-dessus, ok, très bien. Surprise! C'est mon anniversaire, il y avait des cadeaux en bas. Non, c'était le mien. Ah. Efface mon historique de navigation. Ah. Salut? Oh my god, what is going on? Calmez, tu me poses pas de questions. Oh my gosh. Mange ta connaissance. Je suis le tueur du savoir. Mange ton licence, ton encyclopédie. Bam. Hop, et je m'en vais. Oula. Le monde s'est transformé en vide noir pendant un moment. Je suis pas là pour mener à bien une mission, je suis là pour tuer les gens. Donc on est avant tout on est sur de l'éradication d'êtres humains hein, avant tout. Pourquoi vous venez là? Vous avez pas compris que ça servait à rien encore? Mais fuyez les mecs quoi, fuyez! Je peux pas prendre ça pour chez moi. Regarde ça. Refait. Y'a pas un prototype de ça justement? Pardon? T'as 8 balles dans la tête, déjà tu vas te calmer. Y'a pas un prototype ça dans les niveaux inférieurs pour qu'on puisse rigoler un petit peu là?
Parce que les armes pour l'instant c'est du classique hein, mais s'il y a une arme Tesla là Tesla c'est un pote à moi en plus. Lire l'enregistrement du docteur Ashford. Ah bah avec plaisir, j'ai que ça à foutre en plus. Quoi, trop vénère. Code de sécurité, je prends. Je prends, voilà, merci. Sa masse musculaire a augmenté. Parfait. Ah, le mec qui est super balèze, c'est pas celui qui nous a défoncé tout à l'heure. Ça va, mec? Attends, arrête de bouger. Merci. Son pote est mort. Ok. Yeah, it's alright. I got no problem with that. Tiens, un cul. Alors, j'allais faire une blague. En fait, j'allais faire Allahu Akbar. En tuant des gens, mais je trouvais ça franchement très déplacé. Putain, c'est William Shatner. Échanger livre contre seringue. C'est encore mieux. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse ou je le laisse pas? Si. Olé! Tu l'as mangé où? Oh, tu l'as mangé dans le menton, tu peux... Regarde, il est mort. Il est mort heureux. Ah, la délivrance. Oh là 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 là. Pardon? Reviens là! Reviens là! Reviens! Putain, mais tu cours vite avec deux balles! Voilà, je me disais aussi. Alors, à nous deux! Attends, je reviens! Je reviens, c'était un peu pitoyable. Activer le prototype? Reste là, reste là, reste là, reste là. Putain, je voulais me le faire, mais... Non, il est pas éliminé, là. Il est assommé, temporairement. Détruire le travail du docteur Ashford. T'inquiète pas, déjà, je suis en train de lui niquer toute son usine. Bouge pas, t'inquiète pas, je m'y mets après. Je finis juste un truc. Un truc. J'aimerais bien le tège, là-dedans. Putain, je crois que c'était marqué gâché. Allez hop! Ouais, enfin, il a fait un bruit d'eau, mais il est tombé juste en dessous là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il a de très très gros problèmes d'environnement le jeu. Hein. Plouf! Hop, donne-moi ça. Appelez le pont. Le pont! J'arrive! Y'a un autre ici? T'es mort toi? Oh, qui t'a tué? Attends, je crois qu'il reste des gens au-dessus là. Y'a encore deux marques. Enfin, je sais pas s'il s'appelle Marc, mais. Humour. J'ai dit, je laissais personne en vie, hein. Enfin, j'ai juste laissé une pute, mais c'est parce que les putes sont gentilles. Je suis un grand ami des putes. Ah, ils sont là! Mes deux préférés. Salut les loulous! Non, vous irez nulle part. Marche pas sur ton pote, putain, mais quel manque de respect. Reviens, loulou, loulou, loulou. Loulou, non, mais crie pas. Oh là là, petite chatte, un peu panache. Oh. Oh, le patron. Le patron, je vais le foutre à poil, t'as tellement je suis fier. Se lancer de beau gosse. Je vais reprendre ma seringue parce que ça c'est magique. Je crois que c'est une seringue porte-bonheur. Je pense qu'on va aller très très loin cette seringue et moi. Non mais remets pas ton slip sur la tête. Prends celui-là plutôt. Putain, ce trick shot mon gars. Ce putain de trick shot. Oh, c'est pas la peine de faire un screen. Le stream est là. J'en ferai un highlight si tu veux. Je peux avancer. Voilà, merci. Je vais garder cette seringue parce que je sens qu'on va bien s'entendre. Allô ? Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vois flou ?
lire l'enregistrement. Oh, il a niqué une chinoise. Je crois que c'est, ils sont pas censés briller autant les écrans. Hein. Il y a encore un problème de shaders, non? Parce que c'est franchement dégueulasse, y'en a partout là. Sérieux? Ah, quand même! Pas mal les écrans. Hein. Saboter ta race. Aïe! Non, y'a plus d'électricité, normalement ça marche. D'accord, y'a deux électricités. Putain, ils ont deux électricités! Trop fort. Ils doivent remplir vos objectifs, c'est bon. Puis j'ai ma seringue magique. Les écrans de télé Armacam. Voilà, moins 56 000. Victime civile 13, nom désigné 42. Les contaminations, on en est où? Victime civile 8, ouais, pas trop mal. Victime civile 18. Okay. J'espère qu'il y aura un récap à la fin du jeu avec toutes les stats, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir qui, combien de pauvres innocents j'ai tué. Vous voyez pas les sous-titres, mais c'est pas grave de toute manière. Pendejo! Fight night, nigga. Faut que j'arrête de dire nigga à chaque fois. Ça va m'attirer de gros soucis sur le long terme, je pense. Atteindre Sanchez. Mais il est déjà atteint. Il me faut une arme au corps à corps bien là. Regardez les pauvres. Putain, il a un Fedora. Il a un Fedora, le pauvre. Oula, attends, je suis pas invité. Merde, j'étais pas invité. Holy shit, Jesus. Bah Sanchez, je pense que c'est Danny Trejo, d'ailleurs. Prends une cache et affronte Sanchez. Ouais, c'est ce que je compte faire, ça je me souviens. Pas sortir maintenant aussi. Si, pourquoi pas. Tu devrais appeler tes potes. Et voilà, et là était ton erreur. Pourquoi il a pas appelé ses potes Je tiens un mec. Non, il a gardé avec lui quoi. Merde, traîne-le. Pas le temps. Mais j'ai qu'une arme de merde. Bon, t'as quand même pris une balle dans la bouche, mais... Je vois ta tête. Ah, c'était pas des grillages en Kevlar, cette fois-ci. J'aime beaucoup ce petit pistolet, là. Je pense que je vais le garder pendant longtemps. Est-ce que c'est bien la peine de se réduire comme ça à de la violence excessive? Moi je pense pas hein. Je pense qu'on peut régler tous les problèmes par de l'amour. Tiens, prendre l'amour calibre 44. C'est pas du calibre 44. On va attendre ici parce que je pense qu'on est bien. Ouais, je prends la tenue de catch, hein, t'inquiète pas, hein, ça va me rappeler en plus Saints Row 4. J'ai réussi à louper toutes mes balles. Bravo, Russian. Oh, attends, oui, il y a un catcheur. Merde, putain, je suis en train de me prendre des munitions pour rien. Mais putain, mais je sais plus tirer ou quoi? C'est incroyable, ça, hein. J'ai l'impression de jouer à tape la taupe. Donne-moi ton flingue. Plus de munitions. En plus ils sont tous en Kevlar. Toi tu vas pas me tirer dessus, je crois pas. Putain, si tu me tires dessus en plus.
T'as de la chance, tu t'es pris une petite rafale dans le cul. Enfin, t'as de la chance. Écoute, j'ai juste une conception de la chance un peu différente. Je suis en train de prendre des dégâts quand même. Putain, je vais crever en fait. Attendez, je me gratte le nez. Pas trop que je prenne de risques là parce que c'est quand même un peu tendu hein. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que j'ai des chances de mourir ici. Attends un petit peu. Essayer de les tuer sans prendre de risques, tu vois. Ma manette est vibre comme une folle. Du coup je l'ai mis entre mes jambes, ça fait trop rigolo. Mec en stream, il est en train de se palucher quoi. Aucun respect. Pour participer au truc, fallait pas se faire passer justement pour le catcheur. Parce que là je pense qu'ils vont pas être d'accord. Hein. Attends. J'ai plus que 6 balles, il va falloir y faire. Ah si, j'en ai 12, c'est bon. Voilà. M'en voulais pas. Tu étais comme moi jadis. Moi c'est numéro bis. Miam miam. Il est quand même putain de baraque hein. Se cacher. Comment ça se cacher? Ah d'accord. Ça tu te caches toi. Ah c'est marrant. Ours en plus. Ça fait quoi? Juste piquer un ours en plus, c'est tout? Bon bah, couper le générateur, juste pour faire chier aussi. Tout ce que je fais là, c'est uniquement pour faire chier les gens. Hein. Arme visible. Non, mais non, mais non. N'importe quoi. Juste récupérer quelques munitions au cas où ça part en couille. Mais normalement, ça devrait pas. Hein. Je vais aussi prendre les explosifs à distance au cas où ça part en couille. je vais prendre ça. Hop, c'est bon. C'est moi. Mais t'es pas mexicain? Si. Prouve-le. Guacamole. Il est fort. Et c'est qui tous les mecs morts derrière toi? Je sais pas. Don't you lose them. Et personne ne se pose de questions. Le moule burn. C'est vrai, il a un moule burn? Attends, j'ai mal vu. Ah ouais, il a quand même un peu un moule burn. T'as ton crâne qui dépasse derrière 47. T'as ton crâne qui... Ouh, tu fous de ma gueule toi. Putain, t'as de la chance que je puisse pas te mettre des points. Ah mais il est bizarre Sanchez. T'as pas un physique classique en fait. T'as un physique un peu difficile. Et t'as ton crâne qui dépasse putain 47. C'est la honte hein. Mais c'est complètement Danny Trejo. Hein. Oh, regarde, c'est lui, c'est complètement lui. Bouyaka, bouyaka. Wow. Ah oui. Oh, j'en ai pris une. Ça se peut pas un physique comme ça. Hein. J'arrête pas de louper. Je crois que je vais me faire niquer. Ah d'accord, faut taper plusieurs fois. Je croyais que c'était un QTE en fait. Mais... un physique comme ça, ça voudrait dire qu'il a du bide et en même temps qu'il a fait une sèche. Quand tu vois les... Non, ça se peut pas, ça se peut juste pas en fait. Et je veux bien que 47 soit fort, ça me pose absolument aucun souci. Mais non. Non, juste non. Un mec qui est sous autant de testostérone, tu l'arrêtes pas avec tes petits bras, mec. Enfin, après, si, oui, c'est possible. Victoria, where is she? Ah, il fait tout sec à côté. Il fait limite anorexique. Il a retiré son masque, hein, 47 aussi, ça se fait pas.
sheriff has a... has a courthouse. But you don't want to throw deep, though. Great Mysterio. You don't fight clean like me. Booyaka, booyaka. I choose my own trouble. Oh! Trop intelligent. J'ai trop envie d'être comme 47 quand je serai grand. You know I can't let you live. Je peux buter tout le monde ici. Oui, il y a l'arc musique dans la résistance. Ah, il bouge pas, il attend. Il attend que ça se passe. Voilà. Voilà. The Big Kali. Non, il t'a craqué la nuque. Voilà. Non, je crois pas. Les jambes qu'on fait un petit wave. Je peux pas lui prendre son déguisement à lui. C'est une chasse éliminée. C'est tout ce que j'avais à faire. Un pauvre QTE. Je peux buter tout le monde maintenant ou pas? Ah oui. Merde. Merde, 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 merde. Oh merde. Ça va être un peu compliqué là. Merde. Non, ouais non. Non. Là ça va être très très compliqué. Pour que je puisse mener à bien ce que j'ai à mener à bien, ça va être très très compliqué. Faut que je refasse tout. Eh hey, mais c'est pérave. Oh putain. Oh le gros relou quoi. On peut même pas passer à la cinématique. Bon bah je refais ça vite fait alors. Ah d'accord, si on peut passer en fait, on peut passer. Ça va être très tendu de buter tout le monde ici hein. Je crois que ça va être comme le bar qu'on a eu avant, je vais pas pouvoir tuer tout le monde. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, je suis à plus 7000, c'est nul. Victoria, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse. Ça ne. Non! D'ailleurs, il a des boutons partout sur le corps. Ça, c'est une indication justement de l'abus de testostérone. Just saying. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de continuer à regarder cette cinématique. Laissez-moi la passer, s'il vous plaît. You don't fight clean like me. I choose my own trouble. Sinon, je peux le tuer là et me barrer qu'on en finisse. You know I can't let you live. Si tu récupères les explosifs, ce sera plus simple de tous les tuer. Ouais, ouais, je vais faire ça après. J'appuie sur B1 depuis tout à l'heure, ça veut pas. Hein. Oh bah, putain, ça m'a fait. Ça m'a fait faire une. Un QTE. Ouais, c'est Dan Creo, c'est obligé. C'est obligé que c'est Dan Creo. De toute façon, y'a qu'un Mexicain dans le monde du cinéma, c'est Dan Creo. Y'en a qu'un seul. Ils ont pas pu en trouver d'autres. Excusez-moi, je vais récupérer mes armes et munitions s'il vous plaît. Théo technique, ouais, au moins. Je peux avoir mes habillements aussi. Attends, je vais chercher voir s'il y a moyen que je chope un point de sauvegarde. Parce que ouais, là j'ai pas mes explosifs. Il faudrait que je chope un petit point de sauvegarde dans le coin. Que je sauvegarde ici. Je veux pas en passer. Tout le monde est en train de me kiffer, mais. Attends, c'est le point dans le coin. Je peux passer là ou pas? Je peux? Je peux. Putain, mais il n'y a pas de save point. Il est obèse, mais pas du visage, parce que ça ne se peut pas. Parce que le personnage est.
Bah déjà tu vas te détendre. Apparemment quand on est catcheur on a le droit de se balader où on veut. Putain j'ai 104 000 points, c'est beaucoup trop là. Je les mérite pas. Excusez-moi, vous auriez vu un point de sauvegarde ? Apparemment non. Bon bah... je crois que je vais me barrer hein. Ça va être très très compliqué je pense de... ouais non ils vont tous se barrer en plus les civils. Non ça va pas être drôle, je vais me barrer d'ici. Voilà. Ouais j'ai trop de points là, ça le fait pas. Professionnel. Je suis dégoûté. Le mec il est legit triste tu vois. C'est de la bonne musique ça. La musique dans laquelle je me reconnais tu vois. Aloha and welcome to the Waikiki Inn. Would you care to register, sir? Ben Franklin. Oh. Right this way, sir. We have a continental breakfast from 7 to 9 in the Tiki Lounge. A happy hour is from 5 to 8 in the Tiki Lounge. Mai Tais are 2-for-1, pina coladas are... Anything less festive. Can I bring a bottle to your room, Mr. Franklin? Something brown. Yes, sir. Quelque chose de marron, il a dit. Il lui amène juste un gros Renoir, tu sais, il lui a mis une Razor. 2m12, 180 kg de muscles. Gros Renoir. Avec un bon gros de un bon gros bout de viande entre les cuisses. Ces personnages-là, on les dans les cinématiques, voilà, on les voit très rarement comme ça, entières, ou alors le visage. On voit soit le cul, soit les nichons, soit les cuisses. Et je ne m'en plains pas, attention. C'est son match. Go with God, motherfucker. Comment ça, va en enfer, sale vermine? Elle a pas dit ça? Elle a dit, va rencontrer Dieu, espèce de fils de pute, d'enculé, de ta race de chauve. Il aime le coco. En fait, le coco, c'était plus rigolo que le caca, en fait. C'est bidon. Coup d'œil prudent. Il y a beaucoup trop de blur de HDR et tout, je dois avoir un gros problème avec ma version du jeu. Parce que ça ne fait absolument aucun sens, c'est pas de bon sens cette histoire. Faire à repasser. Et déguisement. Bah voilà. J'ai mes armes pour tout le jeu. Putain en plus c'est mon costard en plus. C'est nul. Éliminer Jennifer Paxton. J'ai pas une grenade explosif, un lance-roquette. Bah écoute, je vais garder mon fer à repasser. C'est la meilleure arme que j'ai pour l'instant. Je crois que je vais mettre une petite balle dans la tête d'ici, tu vois. Je vais mettre une petite balle à la discrète, tu vois. Hop. Se lever. Calmement, on lui en met une petite. Aïe. Arrêtez. Non, les mecs, c'est pas drôle. Putain, j'avais oublié qu'ils sont tous blindés, eux. Ok, c'était pas très malin. Oh, merde. Je crois que j'étais caché. Je t'ai pas caché, en fait. Pardon. Elles ont volé le nom des Saints de la suite. Elles ont plus de boucles dans Saints. Ça dépend. Ma perso, elle a pas beaucoup de sang dans Saints Row. Non, ouais, t'as raison. En fait, je vais garder le peignoir, hein. Ah bah, apparemment le peignoir n'existe plus. Bon. Bah ok. Ça quand même voit d'ici. Je vais mettre une petite d'ici, regarde. Je vais mettre une petite dragée dans la bouche. Hop, et bah là je m'en vais. Non, je les ai eu normalement, ils savent pas où je suis là. Hop, on va rester ici. Je pense que je vais rester ici toute la vie. Pourquoi tout est flou comme ça là, putain? Mais t'es myope ou quoi, 47? Qu'est-ce qui t'arrive?
T'as pas des lentilles tactiques? Du gendarme? De quoi? Je sais pas, j'écoutais pas. Pop a cap in their ears. Yeah, I'm gonna do that. Bon, je vais avoir du mal à aller voir. Vu que tout est putain de flou. Je comprends pas pourquoi. Regarde, regarde, je vois rien. Un effet de fumée raté. Bah ouais, c'est pas de la fumée là. Non, viens pas là, ça passe. Ça n'a aucun sens que tu viennes ici. Parfait. Merde, putain, mais il prend 8 ans pour se changer aussi l'autre. Prends le temps de s'essuyer les épaules, tu vois. Histoire d'eux quand même, oui, sinon ce serait pas réaliste, tu comprends? Putain. Je sais pas. Toi, je vais te finir, toi. Hop, autocensure. Putain, toi, attends. Toi, ma poulette. Voilà, calmé. Voilà, pour être sûr. J'aime bien finir mon travail, tu vois. T'as été sauvé par du bambou, mais... Par contre, ça t'a pas sauvé de la balle dans le cul, hein. Prends leur fusil, ouais, et... t'inquiète pas pour ça. Ça, les armes, je pense... Dynamite. Non, dynamique CPW, je crois que c'est de la dynamite. D'accord, c'est un submachine gun. Tu sais, il a l'air cool. Je vais pas prendre son. Je vais pas prendre son. Son yoga pen, c'est. Elle a pas l'air trop stressée, hein. D'accord, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans ma dimension, en fait. Attends, faut que je reste là. Oui, mais lui dépeint quand même, voilà. Parfait. Merde! Oh putain. C'est bon? Je joue très très mal, hein. Qu'on soit tous d'accord. Ben, c'est bon, je crois. Eh, mais j'ai trop de points là encore, putain. Ils sont chiants, ils mettent pas assez de civils dans leur map. Prends son déguisement, c'est exactement le même. Mais lui, il était noir. Il y aura plus de place. Non, t'as pas de visuel sur le target. Testez ça quand même. Il a rien senti, le mec. C'est moitié galère ce coin en fait, je me fous. C'était... Oh, une brique. Non, mais prends la brique. Voilà. Faut que j'aille looter la... Oh, merde. Ah, c'est bon, ils sont cons. Je suis avec vous, les gars. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Prends un déguisement, ils ont des cagoules. Mais prends la cagoule avec, trou de balle. Putain, faut tout lui apprendre. Tu peux en prendre deux? Pouah, trop pété. Non mais les gars, les mecs, sérieusement. C'est tout ce qu'il faut pour vous passer à côté, les mecs. Franchement, ça vaut pas le coup d'être dans une unité spéciale. Hein. Je suis désolé, hein. Il a pris les lunettes de ski. Y'a quelqu'un? Aïe, il grille! T'inquiète pas. N'importe quoi, lui.
Il faut qu'on sorte de là. Ils sont très bien ces mitrailleuses légères là. Enfin ces mitraillettes. Mitrailleuses légères. A chaque fois je dis mitrailleuses légères parce que c'est des mitrailleuses qui sont légères, mais non. Ça marche pas comme ça la vie. Quoi? Brick contre Vainé? Ah bah toujours, toujours. J'espère qu'elle chante du luau quand on fout des caisses avec. Je vais prendre une pina colada. Tu sais que j'aime bien les pina coladas. Et me faire surprendre sous la pluie. Oh, un chouard. Ah voilà, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Et j'aime pas trop le yoga. Et j'ai la moitié d'un cerveau. Et si tu veux me faire l'amour à minuit. Alors, entrée localisée. Je trouve plutôt, ouais. Prends les premiers soins, espèce de... Voilà. Quoi? Mais non. Je t'ai dit de te soigner. Mais prends pas la vaille, n'est par terre, espèce d'inconscient. Soigne-toi. Putain. What do you mean, no reply? Raise them again. Yes, ma'am. Calling Saints Team 1. Je suis sous pression, il a dit. Le pauvre, il est stressé. Oh, je suis désolé, mec. Oh, un pic à facture, c'est encore mieux, ça. Donne-moi le fusil d'assaut, plutôt. Je sais pas si vous entendez, mais sur les coups de feu de cette arme, on peut entendre des bruitages très connus d'armes à feu, en fait. Faut vraiment analyser le truc, mais on entend des bruits stock et un côté un bruit de métal qui fait tung 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 pour faire genre c'est pas le même flingue, tu vois. Je vais essayer de vous le montrer plus loin. Après c'est peut-être moi qui... Ah voilà, la batte secrète. Je prends ça, moi. Ça a été mon arme fétiche pendant un moment. Oh, je me lasserai jamais de ce bruit. Ah, c'est beau quand même. Est-ce que je peux prendre sa tenue à lui là? La tenue de rien. Elle va venir ou quoi? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va oser venir? Pas besoin qu'elle vienne. Eh, bonjour! Oh putain! Oh! Je m'en fous de la preuve, je veux ça moi! Voilà, un space 12. Là, on discute. Enfin, j'utiliserai principalement la batte, mais je veux dire, dans le principe, moi ça me fait plaisir. Accrochez si tu veux. Mais j'ai trop de scores positifs là, je suis déstabilisé, voilà. J'ai trouvé la sortie, toujours. Have your men search the cornfield. Yes, ma'am. Listen up. We have orders to sweep the cornfield. Standard 2x2 grid formation. Move out. Over. Don't I know him? Ah voilà. On est bien là, non? Je crois pas. Heureusement que je suis fait en Kevlar, hein, parce que... J'adore les fusils à pompe. Un couteau Tanto de l'agence. Waouh. Tanto c'est un couteau. Tanto c'est autre chose. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est fou quand même, hein. T'as vu ça, mec? Je suis désolé, mais le bruit de la batte, je ne peux pas m'en empêcher. J'adore la batte. J'ai tout le temps envie de toucher une batte avec ma main. Me prendre une grosse batte, je kiffe. Vous serez caché par le maïs si vous êtes accroupi et silencieux. Ok. Marco. Oui, quelqu'un là. Marco. Un ennemi. Is
Si, si, allez clear. Comme Heather. Hein. C'est quoi? Pourquoi ils font des bruits bizarres à chaque fois que je les tue? Oh. Altaïr, quoi. Je crois que c'est ma mission préférée dans tout le jeu. Tu me tapes. Il met tellement de temps à tirer aussi. Oh, c'est moi! J'ai envie de lancer ma batte à la tête, mais ça va pas la tuer en fait, donc je vais pas le faire. Merde, il m'a vu. Je suis pas sûr qui je tire. Je vais pas prendre son déguisement, elle. Franchement, ça lui irait trop bien. Bon, ça corps découvert. T'as rien découvert. T'es pas mort là. Faut que je le finisse après. Merde. T'es, il bouge là-bas. T'aurais dû le choper, le costume des... Ah oui, le costume d'épouvantail, c'est vrai que ça existe, ça. Il est où? Ah bah ça, par contre, je sais pas où il est. C'est quoi, quand tu peux rentrer dedans, quoi? Ah, la violence. Je sais pas où il est, par contre, le costume d'épouvantail, hein. D'épouvantable, comme disait une espèce d'abruti que j'avais dans ma classe il y a quelques années de ça. Il est à l'entrée de la zone. Oh merde, t'es là toi. Pardon, je l'avais pas vu. À l'entrée de la zone. Il est dans un abri où... Ah non, il est là-bas, je le vois d'ici. Je le vois d'ici. Et il reste un mec là. Tu te sens pas trop seul toi? Ah, c'est carrément mieux en fait. Putain, un os! Si on restait immobile dans le champ. Putain, c'est génial! Je crois que je vais me battre avec l'os plutôt. On peut taper avec? Ouais, on peut taper avec. Une vainée, ouais, c'est un peu plus old school. Putain, par contre, j'aurais bien voulu la scie, tu vois, mais pas le chien. Hein. En fait, ça fait pas trop épouvantail, ça fait gros pecno, tu vois. It took my day! Ah oui, il me voit pas si je bouge pas, quoi. Je suis en épouvantail. Mais attends, ils sont handicapés? Regarde! Cease fighting. Advance to be recognized. Mais regarde! Le niveau! Oh putain! Oh, le niveau des forces spéciales, mon gars! Et c'est l'agence, ça? Bah putain.
Ça s'est pas amélioré l'agence hein. J'avais déjà pris celui-là. Je peux aller dans la caravane ? Venez voir. Il y a un mec là-bas. Je laisse personne, hein. Je laisse toujours personne en vie. Et ils sont beaucoup en fait. Man, we've got a casualty. Proceeding with caution. Man, be advised we have a casualty. Stay alert and proceed with caution. Man, we got a man down here. Man, be advised. Oh, il m'a vu, il m'a vu. No violence when I hear it. Gonna check it out. Mais les mecs, ils sont aveugles, quoi. Bon, allez, on va les finir. Hein. Ils bougent même pas quand j'approche. Ça commence à devenir vexant. Hein. Non, je crois que je peux faire le tour, en fait. Bob. T'as pas vu l'épouvantail qui marche tout seul là-bas ? Si, si, mais j'ai pas osé te le dire. Il vient juste de dire faites gaffe à vos flancs. Et ce qu'il regarde pas, c'est le flanc. Merde ! La vengeance de l'épouvantail ! Tin, tin, tin. You're dead. You just got scarecrowed. Tu te sens pas trop toute seule, toi? T'es sérieuse? Tu viens vers moi en plus? Salut? Miséricorde? Oh, j'avais oublié qu'il y avait ça. J'avais oublié que ça existait. Oh, une hache! C'est bien mieux que Miséricorde. Regarde, là j'avoue, ça fait slasher. L'épouvantail qui marche avec la hache, je trouve ça très très bien. J'aime énormément le principe. C'est moi ? Ah non, c'est pas moi. Putain. Décrocher le téléphone. Non. Je suis plutôt pété dessus. Voilà. C'est la blague. On est quel jour ? C'est la blague d'un certain jour de la semaine. Je sais même pas quel jour on est, tu vois. Mission 47. T'es sérieux? Travis, I trusted you. I trusted you. You were given a mission, and you betrayed the agency. You humiliated me. Travis. Bon bah, merde, je suis en positif quoi. 143 000, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup beaucoup trop. Je suis déçu. Je suis très déçu de moi-même. Oh, c'est dans le tribunal là, non? So you saw him get up and walk away after that fall. Oh yeah, like a walking talking angel, man. And you describe him. Et donc ce détective là, c'est complètement Morgan Freeman en fait. Non, c'est complètement Samuel Jackson. Je confonds les noirs, c'est un peu raciste. Mais c'est complètement Samuel Jackson le mec hein. C'était une petite figurine de machin là. Jamie Foxx. Tattoo on the back of his neck. You really think it's the hitman? Non mais il y a une petite figurine de Mohamed Ali à côté en fait. Et je la veux. Detective. Oh, Lars Ulrich. This was left at the front desk. Kid said give it to whoever's looking for the hitman. Pourquoi t'as une cravate en sac poubelle? Ok. Location for the ransom exchange is set. Yes, sir. Blackwater Park. I've already assigned three teams for you. Good. Get the girl, make sure she's secure. C'est pas possible de fumer sous une pluie comme ça. Ransom is not in the agency budget this year.
Non, fumer sous de la pluie qui tombe comme ça et des embruns, c'est impossible, mec. Hope, South Dakota. To watch the myth. Sa gonzesse, elle est tellement mouillée, on dirait qu'elle a une peau en métal. Enfin, la peau mouillée, quoi. Enfin, elle est pas mouillée. Ah là là, je suis mouillé. Non, elle est mouillée, genre putain, merde, je suis mouillé, tu vois. Je pense que la différence est assez établie. C'est après, du coup, la mission du tribunal, parce que je me souviens avoir beaucoup ri à la mission du tribunal. Ou j'ai peut-être déjà faite ? Non, je sais pas, je sais plus. Ils l'ont huilé. Elle a lubrifié. Bah, c'est ça, non ? C'est ça le tribunal ? Là, si c'est pas un tribunal, je comprends pas. Et ta veste qui pète un petit peu un plomb à chaque fois, 47, comment ça, pourquoi ? Je veux être déguisé en prêtre, j'allais dire non. Je veux être déguisé en juge. Je veux la perruque. Et puis ça changera 47. Next matter of order. Dexter Industries versus Kevin Zimmerman. Trespass. Where's the prisoner sheriff? Your Honor, the prisoner had a unfortunate accident in his cell this morning, and he's on his way to the infirmary. I see. You think he'll pull through? Not looking good. He fell pretty hard. Les visages sont beaucoup animés. Ils sont animés, disons qu'il y a des mouvements assez larges. Ils sont encore un peu mal foutus. Du coup, on dirait qu'ils font n'importe quoi avec leur visage. Enfin, évidemment, sauf 47 qui a le visage tendu comme quelque chose de très tendu. Je pense que je vais la faire à la Breivik. Je vais breivikiser le niveau. Je vais attendre que lui aille faire pipi. Tu peux aller faire pipi, s'il te plaît ? Pourquoi tu me parles, toi ? Tu peux aller pisser ? Il faut que je la brévique, cette mission. Donc il faut que je prenne un déguisement de flic. Et il faudrait qu'il y en ait un qui vienne. Sauf qu'ils ont pas l'air, d'accord. Arme visible, mais non, c'est une connerie. Tu viens! Il est où? Culé, il s'est barré! Bon, il me faut quand même. Tendu comme le cul de Flo, bravo! Je suis jamais allé dans le reste de cette. De ce coin en fait. C'est un bar? Pardon. Je vais prendre le vase! Les huissiers, il faut que je me déguise en huissier. C'est déguisé comment en huissier ? Attends, je vais laisser ouvert ici, ok. Milan, t'es tout seul toi ? C'est dommage qu'il t'arrive un truc. Tu trouves pas ? C'est dommage que cet extincteur collé au plafond te tombe sur la tête. Trou du cul, eh ? Parfait. Voilà, je suis méthodique. Hop, je le traîne, je le cache. Et ensuite, à moi le massacre. Faut juste que je le cache le temps de récupérer des munitions, tu vois. Non, ouvre. Non. Attends, est-ce que je peux... Parfait. Hop. Je vais prendre son Smith & Wesson parce que j'aime bien les Smith & Wesson. Je vais aussi prendre ce vase parce que j'adore les vases. Et je vais le cacher, voilà. Ah voilà, on va pouvoir se balader tranquille là normalement. Ah, je suis déjà en train de limite de me faire choper en fait, c'est peut-être pas malin. T'as pas une carte d'accès ici ? Ils ont vraiment pas envie que je fasse ces missions tranquillement. Hein.
against Dexter Industries. Ah, voilà, ils arrivent. Repeatedly acquitting the offender James Seth Lynch, later found to be a cousin of Strickland's. While no charges were ever pressed against him, non mais viens. Ah voilà, il vient, il arrive. Ferme la porte derrière toi aussi, s'il te plaît. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de lui casser la jambe 8 fois, mais... Ah, mais comment il... Ça m'a toujours fait rire, ça. Vas-y, cache-le avec. Il est trop dans ses pilules, quoi. Ce foutage de gueule jusqu'à la mort. Je peux prendre un deuxième? Non, je peux... D'accord. Toujours pas de carte d'accès par contre. Je crois qu'il va falloir que je rentre là-dedans et que j'y aille à la... Déguisement suspect, je crois pas, non. Le sourire qu'il a, lui. Y'a personne d'autre ici? De toute façon... Oh! Pas avoir de place dans... Je peux avoir de place dans les armoires avec ça, moi. Merde. Ouais, ça va être tendu de tous les cacher dans les armoires, hein. Putain, je crois qu'il y a un mec qui va rentrer. Merde, il y a un mec qui va rentrer. Non ? Faut surtout pas qu'il vienne ici, hein. Pas maintenant. Pour une fois que j'essaie de m'infiltrer à peu près. Je vais cacher tout ce que je peux. Oh putain, je crois qu'il va rentrer. N'ouvre pas cette porte. Je dis ça pour toi, n'ouvre pas la porte. C'est bon.